Bonjour, je reviens parce que je me suis rendu compte que le tirage du Zour, du 11, parce que bon, voilà, j'ai quand même cogité après, je ne l'ai pas re-regardé, mais je me suis dit, mais attends, j'ai entendu quelques autres vidéos qui parlent aussi presque unanimement d'une jalousie. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas demandé et je ne m'étais pas trop préoccupée de la forme d'abondance qui était sortie en premier. Et j'ai envie de voir si c'est pareil que les autres, ou si pas du tout, ou si je peux éventuellement trouver. Enfin, je veux voir, je suis curieuse. Donc c'était donc le 3 de coupe que j'avais sorti. Résolution d'un problème, conclusion, consolation. Guérison, résultat. Ah non, non, c'était quoi? C'est 3 de denier? Oh, mince, je sais plus. C'était pas le 6 de denier? Générosité, philanthropie, charité, gentillesse, gratification, don, profit matériel. Il me semble que c'est ça. Bon, j'ai synthétisé par abondance, du coup. Qu'est-ce que c'est sinon de l'abondance? Maintenant, quelle abondance nous arrive le 11 février? Mis à part l'abondance de rhume. Est-ce qu'on peut savoir quelle forme d'abondance vient aujourd'hui? Est-ce que c'est bien grave? Est-ce que c'est l'essentiel? J'en sais rien, mais je suis pas très sûre. Finalement, c'est bien d'avoir des surprises, non? Donc là, je tombe sur un 8 de denier. Donc déjà, on va voir. Rapidité pour apprendre, candeur, modestie, travail, manuel, effort personnel. Aller à l'endroit. Ouais, mais encore. Essaie encore une fois. Quelle forme d'habileté nous vient aujourd'hui, 11 février 2020? Hop. La force à l'envers. Bon, je vais la montrer hein, parce que il y a un monsieur ou une madame dessus et elle est à l'envers. Ce qui est rigolo. Tchoup, 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 tchoup. Bon, je vais pas trop décrire cette carte parce que je pense qu'elle est connue et qu'elle est sensiblement idem aux autres jeux de tarot. Et puis, je vais aller vite. C'est vraiment un petit complément pour en avoir le cœur net. Alors, ouh, moi je demandais du complément sur l'abondance et il me sort finalement une synthèse du tirage que j'ai eu tout à l'heure, ce qui peut contrecarrer l'abondance. Elle alerte le consultant sur le risque d'une faiblesse de caractère qui peut le mettre en péril et le rendre esclave des conventions et des idées reçues, et incapable de penser par lui-même, le rendant influençable et vulnérable. Du coup, ce qui nous vient, c'est une sorte de brillance, de faculté
Et ce qui peut. Bah, du coup, ce qui peut nous faire reculer cette abondance. Bah, c'est peut-être une trop grande rigidité. C'est ça? Ouais. Hop. Ah, mais il n'y avait pas toutes les cartes. C'est pas grave. Bon, les vilaines cartes là. Oups là. Ouais. Ah, moi, je peux pas être aussi précise que les autres, en tout cas, c'est sûr. J'en suis pas là, hein. Moi, je débute. Mais du coup, j'aimerais avoir. Non, mais ces cartes, elles sautent jamais. Non. Non, j'ai l'impression que ces deux cartes, finalement, elles répètent exactement, plus ou moins, mon tirage de tout à l'heure. Et puis finalement, cette abondance, d'un point de vue métaphysique, oui, c'est comme tout à l'heure, en fait, finalement. C'est sensiblement les mêmes tendances, hein, je veux dire. Bon, c'est un peu plus précis, ça se précise, mais moi je demandais un petit peu que ce soit encore plus précis. Là, on a le jugement à l'envers. Hop. Ah, tiens! Elle alerte le consultant sur des risques de ragots, de paroles calomnieuses ou mensongères qui sont propagées dans son entourage. Elle lui signale des indiscrétions autour de lui. Bon, toujours, c'est le même tirage, bordel. D'accord. Ok. Donc on en revient à jalousie, calomnie à propos d'une abondance. Mais de quelle abondance? Et on me sort ça. Bon, je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. T'es à l'endroit ou t'es à l'envers? Youpla. Toi, t'es à l'endroit. As de denier, perfection, réalisation, prospérité, félicité, bonheur, complet, or, monnaie ou objet d'art précieux, trésor, combinaison de richesses matérielles et spirituelles. My God. My Godness. Et sans deck, hein? Là, j'étais en train de demander, mais non, mais ok, j'ai compris, tu me ressors mon même tirage. Ce que je veux savoir, c'est de quelle abondance tu me parles là. Et on a le 7 de coupe inversée. Désir, détermination, forte. J'avais peur parce que c'était à l'envers. Bon, en fait, je me dis, bon, on va encore me donner. La synthèse du tirage pour une troisième fois, mais non, on m'a bien répondu. C'est quoi cette abondance? Désir, détermination, forte volonté, but presque atteint, choix intelligent. Donc, c'est une abondance physique et métaphysique, visiblement. On est d'accord. Bon, moi, je m'attends. Enfin, c'est pas pour moi, hein, que je demande, parce que moi. Moi, j'aime.
comme j'ai déjà dit, j'aime pas trop l'idée de savoir ce qui va se passer. Mais comme j'étudie le machin, voilà, je fais le point le soir, mais pendant la journée, j'y pense plus, quoi. Bon, bah, c'est bien. Et bah, c'est la même chose que tout à l'heure, mais on a un peu quand même de précision sur cette forme d'abondance. Donc, comme je le pensais au départ, comme je le soupçonnais au départ, c'est métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de lucidité, de clairvoyance qui, ou de guérison spontanée, ou de, je dis pas qu'on est malade forcément, mais de guérison, c'est-à-dire de recouvrement de ses facultés si on les avait perdues, j'ai envie de dire. Et on a toujours cette calomnie, enfin, mais encore plus puissamment exprimée. Purée, je suis tentée de faire un lick. Eh ben non, je le ferai pas, parce que merde. Ah, peut-être que je peux tricher et ouvrir le livre au pif. Ou je tire sur Internet, pardon. Comme ça, je triche. Je suis vilaine. Alors, la journée du 11 février. Petite synthèse, s'il te plaît. Hop. L'enthousiasme. Ouais, c'est bof, bof, l'enthousiasme. Donc, Viking dit. Donc, déjà, c'est enthousiasme avec quatre mutants. Donc, il y a beaucoup d'intrigues. Les mutants, c'est des intrigues, hein, faut pas se leurrer. Donc, le Viking, là, il nous conseille de ne pas extérioriser trop les bonnes nouvelles. Hein. En le troisième mutant, enfin le mutant à la troisième place, il dit en gros que bon bah c'est bien d'attendre mais pas trop longtemps quoi. Donc il faut arrêter aussi de se prendre la tête. S'il y a vraiment des trucs qu'on a envie de faire, faut les faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le crier sur tous les toits non plus. Voilà, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi, genre. Quatrième place. Ne doute pas. Tu vas rassembler. Tu vas attirer et rassembler des. Tu atteins la grandeur, ne doute pas. Tu rassembles des amis autour de toi comme une pince de cheveux serre la chevelure. Tu vas trouver des collaborateurs à ton niveau. Donc ne te préoccupe pas d'agir seul. Sois utopiste, pas idéaliste, en gros. Et le mutant d'en haut. Voilà. Enthousiasme à aveugler. Mais il faut changer, c'est-à-dire si tu vois que tu t'es enthousiasmé pour un truc qui n'en valait pas la peine, ce qui compte c'est de t'en rendre compte. Hein. Voilà. Après, à partir du moment où tu changes de direction au bon moment et assez vite et à temps, donc il y a peut-être une forme de. On fait confiance à quelqu'un qui. Voilà, il y a quand même une forme de. On fait confiance à quelqu'un. On va un petit peu trop vite en besogne avec quelqu'un. Et tout cela tend vers la grâce. Donc la grâce, bon, d'après Li Qing, c'est pas terrible, mais c'est ni bien ni mal. Hein. La grâce, c'est. Parce que le Li Qing dit oui, la grâce, c'est un état de grâce, mais qui augure. C'est un état plaisant et humide, un état de semi-repos, peut-on dire, et de contentement, mais qui augure justement des combats futurs. Et une volonté de ne pas choisir dans l'instant. Voilà.
Donc ça c'est la, mais la grâce. Donc si on tend vers ça veut dire qu'on est un peu indolent finalement à la fin de la journée. Donc à la fin de la journée, finalement, on n'aura pas forcément réglé tous ses comptes. On laissera plus tard le soin de d'ébatouiller le vrai du faux dans certaines situations. Ce qui ne veut pas dire que ça va qu'on va jamais le faire, mais ce qui veut dire qu'on c'est ça, c'est on va laisser la grâce. On va pas juger aujourd'hui, demain on se contente de pas être dupe. Voilà, on n'est pas dupe, on est prévenu. On en revient tout à l'heure au fait de faire attention à ce qui sort et ce qui rentre, ce qui sort de sa bouche et ce qui rentre dans ses oreilles. On essaie de pas trop être influencé par n'importe qui. Rappelez-vous, hein, ceux qui vous donnent des conseils quand vous leur en demandez pas, caca. Et ceux qui vous demandent des conseils et qui vous remercient pas quand vous le faites, et ben caca aussi, voilà. Bon, ben ça, je regrette pas d'avoir fait.